Bien que parmi les sports les plus populaires sur le continent, la boxe peine à s'inscrire parmi les disciplines pourvoyeuses de lauriers. Depuis 2004, dans les tournois olympiques de boxe, les athlètes africains ont rarement remporté plus d'une médaille de bronze. Ce n'est pas que physiquement ils ne tiennent pas la route, mais non, les boxeurs africains souffrent d'absence et de manque criard de compétition. Pas de compétition, pas d'expérience et naturellement pas de résultats. Juste une parenthèse, nous avions mis une méthodologie qu'on a essayé de mettre en place il y a quelques années pour pouvoir compenser un tout petit peu ce manque par ce qu'on appelait des camps d'entraînement. Des camps d'entraînement, mais vous le savez bien, un camp d'entraînement, c'est 2 semaines, voire 3 semaines. En 3 semaines, quelle que soit la qualité de ce que l'on va vous opposer, quel que soit le nombre de combats que vous pourrez faire, vous aurez du mal, honnêtement, à pouvoir acquérir autant d'expérience que quelqu'un qui, au quotidien, pendant 5 années, s'est préparé. Élu le 16 juillet 2022 en Algérie à la présidence de la Confédération africaine de boxe, AFBC, le nouvel exécutif s'est engagé à entreprendre des réformes et à donner de la visibilité à l'Afrique à travers la boxe. Ça fait donc partie de mon programme, mettre en place un calendrier opérationnel d'activités, c'est-à-dire des compétitions africaines, des compétitions zonales, à tout type, hein, c'est-à-dire en allant, partant des jeunes, en passant par les dames et finissant par l'élite, élite men, comme on dit chez nous. Parmi les grands rendez-vous de boxe qui attendent l'Afrique en 2023, il y a l'organisation du championnat du monde féminin dans un pays qui reste à déterminer et les Jeux africains qui vont se dérouler à Accra au Ghana. L'AFBC prévoit par ailleurs d'organiser la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boxe en 2024.